quand elle dit, c'est pas une femme, mais le côté de ta baisse, elle a quitté, je crois qu'elle a quitté, ma soeur, elle a quitté, ma couteau. Hello mes beautés! Oh my god! Ça ne va pas trancher ma tête parce que là, je me suis justement mis cette perruque parce que ma tête, elle est dégueulasse. J'espère que vous allez bien. Je veux bien. Je sais que ça date. Oui. Ne me rappelle pas parce que je le sais. Ça ne va pas trancher ça parce que j'étais à l'hôpital, j'avais rendez-vous et tout. Voilà. Comme vous le savez, l'anniversaire de votre go, c'est 21, c'est jeudi. Je m'étais dit de commencer bien le vlog au début de la semaine, mais j'avais pas eu le temps parce que je n'avais rien à faire du coup. Et du coup, je me suis dit, ah. Voilà, je vais chercher un jour juste dans la semaine et commencer le vlog. Du coup, je me suis dit de commencer le vlog aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai quelques trucs à faire aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, j'ai reçu quelques colis. Non, un, deux colis. Donc, c'est pour le vêtement et du coup, je vais rien vous montrer pour ça. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que je suis un colis de chez Temu. Du coup, je vais décorer mon sapin. Contre après, elle est tellement vierge. Du coup, je me suis violée moi, la nuit. Je trouve que ça sera plus beau. Avec le gel de lumière que je vais mettre là, en tout cas la nuit ça sera parfait en fait. Et du coup, je n'ai pas encore donné le programme parce que là, ce samedi, dans le restaurant. Et du coup, voilà. Donc, j'ai juste le programme de comment est-ce que sera cette semaine. Je sais pas, mais juste un peu de filmer pour vous tout ce que je serai en train de faire pendant cette semaine, pendant mes journées et tout. Vous allez voir comment est-ce que je passe mes journées et tout. Ma vie de mère et tout. Et vous allez voir. Premièrement, d'abord, je crois que j'ai reçu un étalage pour mettre le serviette. Je vais vous montrer. Genre ça là. J'ai reçu ça. J'avais passé la commande. Genre, ok. Elle est comme ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et du coup, je l'ai commandé pour mettre dans ma salle de bain. Et voilà. Je trouve que c'est beau. Puis ça va faire l'effet, vous voyez un peu. Genre, je veux bien classer mes serviettes là et tout. La queue sera juste là en bas. Et puis, ça va pas vraiment trop encombré. Tu vois un peu la toilette. Donc, je trouve que ça sera vraiment parfait. Donc, je vais le monter. Je sais pas si je vais vous mettre avec moi. Mais, voilà. Donc, je vais devoir tout monter. Regardez-moi ça. Genre, c'est beaucoup. Après, je vais pas voir le bas. Oh, ok. Je vais juste baisser la caméra. Et puis, vous allez voir ce que ça va donner. Ne viens pas. Non. Du coup le gars, regardez comment est-ce que monté. C'est comme ça qu'on l'a monté et tout. Et là je vais mettre de serviettes et tout. Et puis la cuve elle est juste là en bas. Donc ça fait genre quand même. Au lieu de laisser la cuve genre comme ça, sans rien mettre en fait. Du coup, le gars, je pense que vous êtes surtout de me voir de loin en fait. Parce que là, il y a du bazar dans la maison, vous n'avez pas idée. Je suis de chez Temu, comme je vous l'avais dit. Et du coup, là-dedans, il y a les pyjamas qu'on va devoir utiliser moi, mon homme et mon bébé. Donc, je vais d'abord déballer ça parce que, comme vous pouvez voir, le sapin, je l'ai déjà monté. Et là, maintenant, je vais devoir jeter un coup d'œil. Oh, j'avais acheté quelques petits accessoires. Pour mettre comme ça des petits cotons et tout. Déjà j'ai oublié de vous souhaiter bonne fête de Noël. Genre les gars, là je pense que je voudrais pas mettre le jeu de lumière. Pourquoi? Parce que premièrement d'abord c'est ça le mal d'acheter les trucs en ligne. Regardez-moi. Genre elle vient bien emballée comme ça. Mais le souci est que il faut mettre de piles dedans. Et moi je ne le savais pas du tout. Du coup là je vais devoir attendre. Quand j'aurai acheté les piles, c'est alors que je vais installer ça sur les sapins. Alors, pour le moment, j'ai rien à faire. Pour le moment, je vais justement installer ça. Et après, arranger ces bazars-là que j'ai mis. Et c'est après que je vais vous filmer le résultat final. Parce que là, ce sont des petits piles à vous mettre. Oh my god! Et d'abord, c'est qu'il vient ici. Ah, oh, oui! On va les mettre ici au-dessus. Genre, ça va faire quelque chose. Ah! Attends. Et du coup, là c'est moi. Vu que je suis en train de préparer le pondou, je me suis dit, je vais préparer le pondou maintenant, parce que demain je dois sortir, j'ai rendez-vous. Je vais de préparer et puis laisser une routine prêt en fait, tu vois, un peu de temps. Donc
rencontrer cette fois-ci. Je vais pas mettre ni puissant ni poisson, mais genre juste le poisson fumé. Je l'avais mis dans l'eau chaude. Là maintenant je vais le nettoyer et puis le mettre dans mon doux. Voilà. Hello beauté, j'espère que vous allez bien. Du coup là, je suis sortie de la maison sans même vous faire signe. Parce que là, donc là je viens de descendre du verre. Oh my god, il fait froid. Oh là là. Yeah, je viens de descendre du Uber. Du coup, je vais aller dans le supermarché. Je vais m'acheter quelques petits trucs. Et voilà. Donc je vais me prendre... Et puis je dois encore prendre le lait de l'enfant. Voilà, j'avais oublié. Vu qu'il n'a plus assez de lait. Donc voilà. Là, il n'y a que des détergents et tout. J'ai même éternué quand je suis entrée ici. Putain. Je vais devoir changer. Hey, c'est pas bien. Excuse, oh my god. Ah. Oh yeah, c'est ici. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Mais putain, il n'y a pas le petit. Souvent, c'est le lait qu'il prend, le Similac. Mais là, je vois qu'il n'y a même pas le tout petit. Je vais remettre ça dans le même pas. Dis-moi, c'est quoi que tu as de preuves? Elle ment parce que imaginez-vous, on a loué une caméra pour prendre des photos. Vu que normalement je devais acheter une caméra et du coup j'ai pas encore acheté. Et du coup, elle s'est dit quoi? On va louer la caméra pour aller prendre des photos et tout. On a loué la caméra et puis tu vois que c'est l'aide de beauté. Tu sais pas que je suis en train de vlogger. Hein? Ah. Attendez, après je vais fermer un peu mon truc. Comme je voulais dire, ça apparaît, c'est comme si c'était une bombe. Je voulais vraiment ouvrir ça. Mais j'aime pas le carton. Je sais. Juste ici, hein. Comment on va l'ouvrir? Ah. Ah, une chaude, Déborah. C'est différent. C'est ça. Non. C'est ça qu'ils ont dit. Ça c'est le Mark III. C'est la Mark III que moi je vois dans la vidéo. C'est pas assez grande comme ça, Déborah. De quoi tu parles? Mais là, ils ont dit ça. Déborah. Non mais je suis choquée. Attendez un peu. Justement, pour ceux qui ont des caméras, regardez-moi ça un peu. Donc, la marque truc que moi je vois dans des vidéos, c'est pas comme ça que ça ressemble. Mais si tu vois ça dans les vidéos, tu sais jamais vu ça en vrai. Non, mais ça ressemble pas à ça, Déborah. C'est ça, regarde. Mais ça ressemble pas à ça. Mon aile est bouée, non. Ça entre dans des petites. Je sais pas. Tu as déjà vu Fanny, Marfrey. Allô, mais. Tu as jamais vu ça en vrai. Je sais pas. Tu as déjà vu ça en vrai, la caméra. Mais est-ce que. Bah, le marque non, ça entre dans le petit sac. Mais est-ce que genre c'est comme ça? Moi. Montre un peu celle que tu as vue sur Amazon. Oui. Non, mais je te dis que c'est différent, Déborah. C'est ça, non? Je vois rien, l'écran est blanc. Viens voir, c'est ça? Non. C'est pas ça? Non, Déborah, là, c'est que je suis en train de dire, mais genre, c'est pas. Tu m'as dit femme, tu m'as. Je te dis, tu devais pas si tu devais prononcer G7X. Je vais pas prononcer, je vais taper. C'est ça! C'est ta main, Déborah! C'est trop tard. Oh.
Arrête, dis d'abord, non. On a mis le rhum loup à tes yeux, sors-le maintenant. Non, mais genre, tu comprends de quoi je parle. Nous, mais vous êtes chants, le rhum à loup, j'aime pas. Non, tu sais très bien le badoujou que j'aime pas mon visage dans le robe à l'ouba. Oh, tu n'as qu'à bêler à la moine à l'ouba, quand on a bien ambitieux. Dis d'abord, non? Hello beauté. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, mais je sais que je suis en train de vlogger, mais sauf qu'aujourd'hui j'ai pas vraiment pu beaucoup vlogger. Pourquoi? Parce que j'avais plein de trucs à faire et du coup ça me dépassait un petit peu, que j'avais pas vraiment eu le temps de vous filmer en fait. Faire quelques petites courses et tout. Et du coup on est allé retirer la caméra parce qu'elle avait rentré la caméra. La caméra qu'elle avait rentré, au lieu de prendre le Canon G7X, et du coup elle est allée prendre une caméra comme un robot, genre une grosse caméra, parce que je sais même pas si c'est une caméra provisionnelle ou quoi, je sais pas du tout, mais genre on n'avait pas aimé du tout et puis elle a remis, elle a fait le retour et elle a rentré une autre caméra. Hey les gars, en tout cas, j'ai découvert un truc genre là, on peut enlever et puis l'enfant mange. Je nettoie. Mais le bien est que j'ai aimé, c'est ça. Tu peux enlever ça si l'enfant salit et puis tu peux le laver. Waouh! Hello beauté! Comme je l'avais dit dès le début du vlog, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh my god, ma voix elle n'est même pas bonne. Je vous jure que je suis réveillée aujourd'hui matin. J'arrivais même pas à parler. Et du coup, ma soeur était venue, elle m'a dit que non, je dois mâcher les ailes et avaler. Je me suis dit, oh my god. À la fin du compte, je me suis dit que j'avais pas le choix. Vu que je suis en train de vlogger et le samedi, je dois sortir pour aller fêter mon anniversaire. Du coup, je me suis dit, Emma m'a dit, fais-le. Parce que si je l'avais pas fait, en tout cas, je sais même pas si je serais même debout comme ça devant vous en train de vous parler ou en train de continuer avec le vlog. Je ne sais pas du tout parce que j'arrivais pas du tout à parler. Vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le jeudi 21 décembre. L'anniversaire de votre go, oh my god. Je vais vous montrer pour le moment ma perruque que j'avais reçue de chez Shein. J'ai jamais testé la perruque Shein. Du coup, je me suis dit, je vais tester la perruque Shein aujourd'hui. Donc elle vient comme ça. J'avais déjà ouverte juste pour voir la qualité, niveau qualité et tout. C'est que je compte porter le jour de mon anniversaire, le samedi. Donc aujourd'hui, c'est que je veux faire, je veux la customiser, je vais bien la ranger et après faire quoi, le porter. Regardez un peu, grave transparente, j'aime bien. Donc voilà, la perruque elle est comme ça, c'est du 30 inch, elle est hyper longue. Regardez juste la longueur. Oui. Et donc je sais pas, mais la wig sans custo. Chier. Et du coup moi je ne bleach pas mes wigs hein. Je mets ou soit le spray pour rendre la lace marron, ou soit j'utilise le fond de teint. Donc c'est ça que moi j'utilise en fait. Je vais faire cette partie là et la dernière là, et puis je veux vous montrer les résultats final. Donc voilà, là je suis en train de parce que je dois faire la dilande demain. T'es une escrotte, sérieux. Tu m'as dit non, je te la mettre. Et moi aussi, je suis bête, je sais, mais aucune idée. Là,
Là, je viens de finir de m'épiler et du coup, j'espère que vous voyez très 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 bien les résultats. C'est que ça a donné, mais pour bien voir les gens, vu que mes cheveux ne sont pas neufs du tout. Ce que je fais, c'est quoi? Parce que moi, là-bas, j'ai vu que je me suis épilée à la même fin que je m'épile toujours. Donc, ce que je fais pour voir réellement si je me suis bien épilée et tout, je fais ça. Oh non. Donc le gars, ma voix n'est pas bonne, mais là, je suis en train de faire des achats avec mes soeurs. Regardez-moi ce que j'ai pris, oh Seigneur. Non mais elle est énorme. Elle est tellement grande. Waka. Il t'a un bon poing. Italio. Mes beautés. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 23. Du coup, ma voix n'est toujours pas bonne. Mais je fais l'effort quand même de continuer avec ces vlogs jusqu'à la fin. Alors du coup, je vais déjà vous prévenir qu'il y aura d'autres vidéos que je ne serai pas en train de parler, juste je vais vous montrer des images et puis je vais mettre le son. J'espère bien que ça ne va pas vous déranger parce que ma voix, elle n'est pas du tout bonne. Du coup, là, je viens de finir avec ma cliente. Hier, j'avais fini avec Deborah, mais je n'avais pas vraiment eu le temps de vous filmer tout vu qu'elle devait aller au travail. Du coup, elle était vraiment pressée. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, je vous donne le programme et puis je serai en train de tout faire directement. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais poser ma wig. Tel que vous pouvez voir. Parce que je vais me promener avec mon enfant, je vais me promener avec lui. Du coup, je vais préparer son sac et puis je vais préparer mon sac parce que normalement je vais le préparer hier, mais j'étais tellement fatiguée que j'avais pas eu le temps ni la force de le faire. Donc du coup, je vais le faire aujourd'hui. Et puis après, j'ai quelques vidéos que je dois faire, tuto. It's my birthday. Et là, là j'ai utilisé ces gels. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Pour plaquer mes cheveux en arrière avant de mettre ma wig cap. Du coup, c'est ça que je fais. Ça, alors, mes beautés, là, je viens de poser ma wig. Je ne vous ai pas filmé tous les détails. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un tuto sur ça pour TikTok. Et donc, voilà pourquoi j'ai pas vraiment tout filmé. Donc, pour que vous puissiez, si vous aimez, bien sûr que oui, pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil et regarder la vidéo entière sur ma page TikTok. Et donc, voilà. Donc, je vais finir avec mon installation wig. Mais avant tout, je vais d'abord aller préparer mes vêtements et préparer aussi les vêtements du bébé. Et donc, voilà. Donc, ma deuxième tenue. Espérons bien que j'ai le temps de prendre des photos avec ma deuxième tenue. Parce que si seulement je ne prends pas le temps de prendre des photos avec ça, en tout cas, j'aurais vraiment envie de pleurer. Pourquoi? Parce que déjà, ces modèles que je fais, ça va combiner avec ma première et ma deuxième tenue que je vais porter. Donc voilà, ma deuxième tenue, ça sera juste pour prendre avec des photos et tout. Et la première tenue, ça sera pour mon anniversaire et prendre aussi des photos pour ça. Donc voilà. Mes beautés, là je suis presque à la fin de ma coiffure et du coup je l'ai fait détail par détail, genre je vais vous sortir un tuto de cette coiffure, je pense que dans la semaine et tout. Du coup, il me reste justement de boucler ces petites parties là et ensuite voilà. Donc quand je regarde là de côté, c'est parce que j'ai les miroirs juste là devant moi. Voilà pourquoi je suis en train de regarder là bas et il me reste juste de ce côté et puis après je veux faire mon maquillage. Ça, alors, mes beautés, oh my god, je suis trop satisfaite du résultat que ça a donné. Donc je sais pas, je suis vraiment trop satisfaite. Je vais vous montrer mes gens, vous allez être étonnés. Regardez moi le fait de ça, genre ça paraissait comme si c'était naturel. Là, j'ai même pas encore mis un peu de fond de teint pour couvrir mes jambes. C'est comme si on n'a même pas besoin du fond de teint. Pour moi, tout ça. En tout cas, le gars, foncez, allez regarder les tutos parce que là, oh my god.
Non. 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 Choki. Donc là, je vais faire maintenant mon maquillage. Et ensuite, voilà. Voilà. Donc, si je vous montre pas tous les détails ici, dans le vlog, sachez-les bien. Je crois que je vais faire un tuto make-up, mais attendez un peu. Je vais essayer un peu de mettre le fond de teint devant et vous allez voir le résultat. Oh my god, je suis choquée. Donc, pour le fond de teint que je vais utiliser pour essayer de mettre devant, je vais utiliser mon Dior. Le Dior pour mon visage. Du coup, je vais mettre juste un tout petit peu. Fermer et puis utiliser. I'm sorry. Utiliser cette partie de ce pinceau qui est tout petit. Genre, je vais faire comme ça. Je sais même pas si vous arrivez à bien voir. Je vais faire comme ça. Et puis après, genre, je vais venir là devant. Et puis, je vais faire comme ça. Genre, oh my god. Yeah. En tout cas, je peux même pas vlogger en plein air. Je vais faire les sourcils, Manila. Il faut que tu commences. I know. Comme ça, je commence à me maquiller. Parce que je vais pas mettre le primer avant. Je voulais mettre le primer avant. I know that, girl. Emmène tous les matériels. C'est parce que moi, je dois faire. Je vais déjà me maquiller. Parce comment que... me maquiller ici? Comment tu vas te maquiller là-bas? J'ai mon miroir. Et alors, le grand miroir que tu as mis ici? Tu vas tu vois bien te maquiller ici devant. De quoi tu parles? Ok. Tu fais tes vidéos. Tu parles des miroirs parce que t'as pris les miroirs à ring light. Tu as mis comme ça, maman. Ça, moi, je ne suis pas escroque, Déborah. Moi, j'aime bien dire la vidéo. Moi, je suis escroc. Tu sais que je filme? Moi, je suis escroc. Attends, je vais vous montrer le visage de la personne qui dit qu'elle est escrotte. Ne montre pas mon visage. Je vais montrer ton visage, c'est vrai. J'ai fait comme ça. En fait, j'ai une manche. Non, mais regardez là. Et puis, elle est courte. Hein. Elle dit qu'elle est escrotte. I'm 6 feet. Ok. Un peu de toilette. Moi, je vais dire la vérité. Le gars, elle ne veut pas que je dise la vérité, mais genre, regardez ce qu'elle m'a offerte. Regardez ce qu'elle m'a offerte. Oh my god. Attendez un peu, je vais d'abord... baisser un peu comme ça. Je dois faire les sourcils. Oh my god. Regardez ce qu'elle m'a offert, genre. C'est trop mimes. Je vais prendre avec des photos et tout. Genre comme ça. Hey, elle me gâte trop cette meuf, c'est Gérard qui lui a offert ça. C'est qui? Gérard. C'est qui Gérard? Ah non. Le sourcil avec les jus. Parce que de l'eau, il y a pour moi que je mouille là-bas. Vas-y, on va ouvrir le robinet là-bas. Utilise le rose water là. C'est la même chose. Toi, tu sais que tu vas faire ça déjà dans ton sourcil. Quand j'ai pas testé quelque chose, la salle on dirait que moi j'ai déjà testé ça. Moi j'aime pas. Avec ça rend comme ça des bras à démentir. Si. Non. Tu sais que d'autres personnes utilisent les sprays fixateurs. Je te jure, moi je te jure. Tu mens. Manila, je dis pas ça. Parce qu'avant tu faisais pas avec les savons. Pas ça. Ok. Non, non, non. Ok. Mais j'utilise. Non. Oh, quand j'ai commencé à faire le savon, la fois j'ai fait avec le savon, j'utilisais les sprays fixateurs. Viens, 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 on va faire les sourcils. Jesus. Viens, ton visage, regarde là. Non. Viens d'abord ici, d'abord. Oh. Tu me postes, je vais écrire à YouTube que tu m'as filmé illégalement. Je vais te demander le droit de l'auteur. Ok, droit d'auteur. Ok. Il y a pour que j'aie la facilité de me maquiller. Voilà. Tu me regardes comme ça. Rien. Oh, tu rien. Ton visage est frais. Non. Juste ici. Ah bon, tu as de me dire que non, c'est pour les trucs que j'ai vu. On appelle ça quoi? Je t'essaie. Yeah, non, même quand j'ai remarqué même la différence. Ça hydrate vraiment. Yeah, ta peau est devenue lisse en fait. Yeah. Avance, non. Oh, moi, vu que j'ai déjà eu une peau vraiment trop éclatante, j'insulte pas ta peau. On a continué le maquillage. J'ai vu juste ton téléphone. Hein. J'insulte. Attends d'abord, hé Déborah, pour le bain lingala, ah t'es pardon. Pardon, tu vois lingala comme un bébé, il n'a à boire qu'en haut. Genre, regarde, comme ça, dis-moi le bain lingala. Hein? Talio. Je vais voir mon souci. Je vais devoir d'abord soulever un petit peu. Hé le gars, là je viens de finir de me maquiller. Oh my god. J'aime trop mon maquillage aujourd'hui, sérieux. Regardez juste le teint. Regardez juste le teint. Yeah. Ça va le rose? Hey le gars, je viens de finir d'apprêter l'enfant. Maintenant, je dois finir de faire mes boucles. Et puis après, je vais faire la vidéo et puis après, on va sortir. Donc, voilà.
Du coup, là, je vais juste faire mes deux boucles de devant. Et puis, c'est fini. Donne-moi la colle. Donne-moi la colle. Du coup, est-ce que j'ai toujours ça ici? Je devrais appeler ça un colle plus. Est-ce que ça en a beauté? Du coup, ça, ce sont les angles que je vais mettre. Mais sauf que c'est lui qui a le côté serpent là. En tout cas, je suis désolée parce que. Ich, je peux pas. Il peut pas. Nous sommes en retard. Du coup, Deborah, elle est fâchée contre moi. Et puis, on ne sait même pas ce qui va rester par rapport au restaurant. Donc, c'est tout est ghetto. Tout est ghetto. Non, mais sérieux. C'est vraiment drôle la façon dont on s'est retardé. Et moi, j'ai commencé à me préparer depuis 14h. Depuis 14h que je me préparais. Et vu que je veux faire ma coiffure, me maquiller et tout, genre, je sais pas à quel moment je me suis mise en retard. Et la vie de meuf, hein, c'est compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop ghetto. Du coup, là, moi, je me présente comme ça. Parce que Deborah, elle est restée avec l'enfant, elle va venir avec l'enfant parce qu'on est vraiment en retard. Sinon, on va devoir annuler notre réservation. Donc on est déjà en retard. Donc quand je dis en retard, retard. Du coup les gars, voilà comment l'endroit se présente. Yes. Ok, genre l'endroit se présente comme ça. Du coup là, je suis là. Ok, thank you. Moi avec ma flair, toujours comme ça. Des gaines. Y'a moi, tu veux venir te répoudrer, hein? Je n'ai même pas mis mon téléphone. Moi avec ma fleur, oh my god. Non, mais c'est beau. Regardez-moi. Heureusement, ce sont des escrocs. Ils n'ont même pas beaucoup de clients. Même je te jure, y'a. C'est ce que je me suis dit aussi quand je suis arrivée. Ce sont des escrocs. C'était juste donner l'impression que moi. Le restaurant, si, ils ont des gens. Mais le restaurant, il est vraiment cute. Bref, ça prend le temps. Drink started, but I was giving you a heads up because you said three more were coming for that table. And then I apologize, what was the drink? Oh, mais la glace, c'est eux, donc ça va. Oh, maman.
Ici à l'honneur de Emmanuela et aujourd'hui c'est une journée spéciale pour elle et notre présence ici témoigne à quel point nous comptons sur elle, à quel point elle compte beaucoup sur nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et aujourd'hui tu es dans le Puntum Kaekum de ta vie et tu avances et tu évolues et nous pouvons dire que sur les plans sotériologiques et eschatologiques cela est tellement sanitaire pour nous que tu sois au milieu de nous en ces jours et ensemble, nous te souhaitons une vie meilleure et les années qui te restent sur terre et que Dieu t'accompagne. Et nous sommes là pour toi, ad vitam aeternam. Et nous te souhaitons encore de bonnes choses. Et au nom de tous ceux qui sont ici, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Au nom de tout le monde, mais je vais faire ça maintenant en mon nom propre. Okay. Parce que à ce jour que je suis ton mari, je vais le faire en mon nom propre. Et mon amour, je t'aime beaucoup. Nonobstant tout ce qui s'est passé, nonobstant les aléas de la vie, nonobstant. Non, ses yeux me fait quand elle m'a regardé, ce n'est que normal que cela puisse se réaliser ainsi. De la même manière que Karl Marx pouvait dire qu'il y aura un jour qu'on appelle l'eschatologie du grand soir de la révolution générale. Et en ce soir-là, selon les scientifiques,
l'histoire de l'escatologie du grand soir de la révolution générale. Ce soir-là, selon lui, il y aura les prolétaires qui vont s'élever. Ils vont tordre les coups aux riches pour prendre des femmes. La vie m'a donné un plus beau cadeau, c'est toi. Je vais dire que, comme je disais souvent, tu es parmi les rares femmes qui restent sur terre. Parce que tu es encore pure et originale, et tu es encore cette femme originelle. La femme en fait, qui fait la vie et continuer et grandir ensemble. Je me limite cela. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je l'ai moi, j'étais nouvellement venu avec Issika. Et je suis avec Issika, j'étais un peu désemparé quand des années. Dans le clair. Viens. Hey le gars, là je me suis mise ma deuxième tenue. J'ai pris quelques photos, je sais même pas. Parce qu'on a pris des photos tellement pressées. Donc je sais même pas du tout ce qui est mis bien ou pas. Donc voilà, je vais vous montrer ma tenue à plus tard. Oh ma voix, oh my god. Bébé, reste moi là. Hey le gars, là on vient de sortir du restaurant. En tout cas, j'ai même plus de voix. Tu sais que tu m'accompagnes à la maison? Non, je te rappelle où. Non, je pensais que tu pars au travail. Pourquoi je pensais travailler avec toi? Mais ça, tu peux oublier. Omélie, ma soeur Manuela. Ok. Omélie. Comment elle est? Abiente. Omélie. Déborah Linda, la naïo, sérieux. Are you drunk? Donc, c'est ce que je suis en train de dire avec là. Genre, on a bien mangé. La nourriture était bon. Moi, j'ai aimé. Déborah dit, elle n'a pas aimé. Pourquoi tu n'as pas aimé? Je suis comme ça, 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 je su
Mickey, et puis des fois, la nourriture, c'est 600, la nourriture n'était pas mal, sauf que... Vous foutez 600 dollars. C'était 600. Comme un B. C'était 700 dollars. C'est quoi, c'est que moi, je ne comprends pas. La nourriture était bonne. Non. Pas bon. Non, c'était bon. Your steak was good, girl. Yeah, mais c'était un peu cru, tu vois. It was not well done. I think that this is the well done. Whatever. C'était un peu cru. Merci à tous ceux qui ont participé. Qui a participé? Comme toi. Comme tu m'envoies ça, maman, s'il te plaît. Tu as fait. Donc voilà un peu le gars. Sauf que j'aime trop mon make-up. J'aime trop ma coiffure. Sauf que j'ai pris dur, c'est que ma photo m'a bien. Je vais trop pleurer parce que. Moi je dois recommencer la coiffure, c'est pas une coiffure que je fais tout le temps. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais fais ça encore. Je vais faire ça encore. Pourquoi? C'est que j'ai déjà fait. Quand on sera là pendant la semaine, tu as fait une coiffure. Je veux faire soit le milieu, soit le côté. Moi, je crois que je vais faire au milieu. Mais le blanc, c'est beau, ce qui fait le vibe. C'est beau, mais le restaurant était aussi magnifique que tu n'as même pas. Moi, je dois rentrer dans ce restaurant. Le gars, je vous fais de gros bisous.